Ok. Pour élever un Pokémon vite et bien, le mieux est de... Oh, c'est bien. Je vais faire quoi? Ah, plus non, non. Oh! Ouf. Ok, tiens. En échange, je donne la souris et toi tu prends du mag. Mag, Je me rappelle. Oh, tu m'arrêtes. J'aimerais élever mes Pokémon, mais c'est bien que toi. Je t'attendais. Oh, je sens une pointe de curiosité pour le paysage derrière. Il ne s'agit pas comme un coup d'œil le serait de simple rachis. Il s'agit de Pokémon, des Krabarak, plus précisément. Maintenant, admire. J'ai mis au point un appareil destiné à provoquer un réflexe chez les Pokémon. Les Krabarak, peut-être étaient-ils épuisés de porter leur présent rocher. Il ne s'agit qu'une simple conjecture de ma part, bien sûr. Dis-moi, as-tu entendu parler de la Team Plasma et de son credo? La reconnaissance du potentiel des Pokémon passé par leur libération valent bien. Au contraire, l'humanité a pour tâche d'extraire le potentiel des Pokémon. Mais à nouveau, mon esprit scientifique prend le pas sur la politesse. Je me rends compte que je ne t'ai pas demandé ton nom. Okay, voilà, il est plus facile à donner pour mes formules. Bien, j'aimerais voir si, en tant que dresseur, tu es capable de tirer toutes les ressources de ton... Battez Nicolas. Azuril. Ah, je sais tout. Ah, putain, il me tient la tête.
Je suis paralysée. Voilà. Ça va, rien à faire. Lui, il y a rien. Allez, c'est bon. Oh putain, non. Allez. Allez hop, allez hop, allez hop, allez hop. Bien fascinant. Je vois, à l'instar des champions d'arène ou des membres de la ligue, tu prends grand soin de ton équipe afin d'entraîner le maximum. Tous les danseurs de cette catégorie se ressemblent, je pourrais vraiment établir une typologie des dresseurs. Bref de scientisme. Ton assistance dans mes recherches mérite récompense. Il faut un peu. Mais n'est-ce pas argent pour libérer tout le potentiel des Pokémon? Voir le domaine directement, mais ce n'est pas comme s'il existait quelqu'un capable de leur parler. J'espère avoir le plaisir de te retrouver prochainement. Ok. Antique, j'adore les antiquités. Vestiges, je dis, ce sont des vestiges. Ok.
Bien, j'ai fait une belle prise, mais il faut maintenant aller pêcher avec toi. Ok. Oui, dis. Bon, ça. Ah, attraction. Pas mal. Oh non. Ok. Caché. J'ai laissé échapper une victoire de taille. Eh ouais. T'as mordu à l'appétissant pas de mon absence, tu vas affronter les plus frétillants de mes prénoms. Ok. Ouais. Voilà. Ah, désolé, j'ai pas lu. Ok, on va aller. Les soigner. Ok, on va se remettre à une minute. Pour élever des Pokémon. Ah, mais je viens de. Un bug? Un bug. C'est un bug. On l'avait déjà fait.
Bye. Oh, on l'avait faite. Un bug. Allez. Et voilà. Hey, on l'a fait. Ça. Est-ce qu'il est mort? Allez. Oh putain, s'il te plaît. Arrête. Allez. Putain. Je le sortais d'être là. Oh putain. Et moi je vais sortir d'ici. C'est pour ça. Ah punaise. Bon, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve très prochainement pour la suite de Pokémon version blanche 2. Bye.